à tout le monde, c'est Christophe. Aujourd'hui, on se retrouve eh bien sur le jeu GTA V. Alors pour une vidéo, on va dire mise à jour, comme vous connaissez un peu. C'est vrai que ça fait pas mal de temps. Enfin, ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo, mais on va dire que j'ai pas fait de mise à jour. Là, il y a mon écran en haut avec ma facecam. Eh bien, on voit que ça clignote. Je sais pas pourquoi. On a l'impression, je sais pas, qu'on est dans une discothèque ou je sais pas quoi. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve. Nous sommes en live. Demain, bien sûr, il y aura des vidéos Breaking News et une vidéo GTA V. C'est pas mal. Vous avez bien aimé ma vidéo GTA V astuce. Il y en aura un peu plus au niveau de ma chaîne, mais surtout, je vais reprendre eh bien tout ce qui va être Breaking News, tout ça, mais sur d'autres jeux. Et donc là, j'ai fait une petite partie de tennis pour rigoler. Je suis un peu chaud patate parce que j'ai essayé ça en plus un matin et j'ai vraiment kiffé. Donc, on va se mettre en difficulté normale. On va se mettre en 1-7. Je connais pas du tout, je me rappelle plus trop des touches en plus. Donc, ça va être chaud, les gens. Ah merde, c'est quoi ça? Non, je veux juste 1-7. Non, ouais, s'il te plaît, ta gueule. Ah, oh. Oh. Ah, d'accord, normal. C'est parti, commencez. Donc voilà. Hop, c'est parti avec hop, Michael. Donc il faut juste que je me rappelle un peu des touches. C'est parti, command, command. Et donc bon, bah en fait, vu que moi c'est les vacances, donc c'est vrai que bah voilà, je sors souvent le soir, tout ça. Et puis là, oh là là, ça va être trop simple. Et puis bon, putain, cette image là, ma caméra, elle va me saouler. Je vois, ça clignote comme ça. Bref. Vu que je me couche tard, tout ça, bah c'est vrai que j'ai un peu moins d'énergie pour les vidéos. C'est vrai que j'en fais peut-être un peu moins pendant les vacances, ça peut paraître bizarre ou autre. Donc c'est parti là. Oh là là, comment je te mets la douille? Ça, c'est parce que c'est une femme. Ça fait pas jouer au tennis ou quoi? J'ai fait une partie de tennis, mais c'était un long, c'était un. Je crois que ça allait jusqu'à 5. Et donc ouais, attendez, alors, on va essayer de faire un smash. Come on, let's do it! Pop! Yeah, oh my god. Comment t'as eu? Comment t'as eu? Oh, come on! Yeah! Et donc voilà, donc c'était une mise à jour en fait. Qu'est-ce que c'est que ce genre de vidéo? C'est tout simplement ce que je vous demande de me dire ce que vous voulez qui arrive, ce qui arrivera prochainement sur ma chaîne. Est-ce qu'il y a des jeux que vous voulez que j'attaque? J'ai vu que. Merde, oups, heureusement que j'ai pas. J'ai appuyé juste avant. Donc voilà, donc en gros, si vous avez des idées au niveau de ma chaîne, bah, dites-le moi. Comme vous avez pu voir, je reprends doucement la série Comment devenir un hacker. Il y a aussi au niveau de d'autres jeux, tout ça que je vais prendre. Après, le souci, c'est que les jeux là, les bons jeux qui vont sortir, comme bon, bah après, ça dépend des gens, mais Call of Duty par exemple, il va sortir cette année. Donc bon, peut-être commencer à donner des informations à propos du nouveau Call of Duty. Alors bon, il y a celui-là par exemple que je pourrais vous donner toutes les infos, mais commencer bah, après prochainement, et eh bien à propos du nouveau Call of Duty, celui d'après. Je crois que c'est trop simple. Alors, je sais pas pourquoi. Peut-être que je suis surentraîné. Je sais pas ce qu'il a fait. Ou peut-être que l'adversaire n'est pas top top. Parce que j'ai mis en normal. Et c'est vrai que c'est assez simple. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, au niveau des mini-jeux là sur GTA V. C'est vraiment fun. Mais bon, là, tu vois, il n'y a pas d'action quoi. D'ailleurs, comme j'ai dit sur Facebook, hein, j'ai vraiment appris les règles du jeu sur GTA V quoi. Du tennis. Donc, après, j'espère que c'est bien. Parce que moi, voilà, c'est comme ça. Et on peut lever la balle aussi. Voilà, comme ça, faire des petits trucs avec triangle. Voilà. Et après faire des sortes de coups, des frappes comme ça sur le côté. Je crois qu'il y a le triangle, carré, rond. Hein. Bon, on peut faire ouais, rond, triangle, carré, rond et croix. Ah oui, il y a les quatre touches en fait. Donc de toute façon, c'est marqué en bas, hein. Amortir les balles. Hop, puis faire un petit truc de tapette là. Et puis elle a marqué. Oh, oh putain, en plus je transpire. Donc voilà, donc de toute façon, il y aura pas mal de vidéos prochainement comme d'habitude. Et puis un peu surtout, j'aime bien attaquer pas mal de choses en même temps, c'est-à-dire bah on va continuer à donner des informations, enfin donner des petites astuces, tout ça sur GTA V. En même temps, faire un peu de comment devenir un hacker, je trouve que c'est pas mal. Hop. Et vu que là, c'est vrai qu'en ce moment, bah, c'est les vacances, tout ça. Et vu que, si vous voulez, j'ai 2 semaines de vacances, je sais pas pour vous. Et puis, bah, quand moi j'ai 2 semaines de vacances, souvent la première semaine, bah, je me couche tard, tout ça. Quand je vous dis tard, c'est bon, c'est pas super tard. Ça dépend des gens. 4-5 heures du matin, et c'est sûr, bah, la journée après, par exemple, pour faire une vidéo ou autre, là, je rame un peu. Mais bon, d'ici la semaine prochaine, même d'ici demain, ça va changer parce que là, je me reprends un peu, bah, pour travailler, pour la rentrée, quoi. Parce que ça va assez vite. Ça m'énerve, cet écran qui clignote, là. Ah, putain, webcam. Qu'est-ce que je t'emmerde? Je t'emmerde, ouais, je t'emmerde. Je rigole, je rigole, je rigole. Non, mais ça m'énerve vraiment là, cette webcam qui clignote. Je suis pas dans une discothèque, attention! Pop! C'est trompé de touche. Espèce d'enculé. Non, je rigole. Oh! Allez, hey, come on! Come on! Oh les gens! Je suis en train de gagner là en plus. Là, elle est à 15, mais s'il te plaît, là, arrête, arrête. Bon, c'est peut-être ennuyant au bout d'un moment. Ça, en ligne, je sais pas du tout si c'est défaillant ou pas. Je sais pas s'il y en a qui ont essayé en ligne. J'ai pas encore essayé. Mais par exemple, quand je vous dis défaillant, qu'il y a des soucis de serveur, donc on va dire des lags.
hein, des trucs de compréhension, je sais pas comment vous appelez ça, des bugs d'internet, et donc voilà, la balle elle bug énormément et puis vous n'arrivez pas à jouer. Donc ça, je pense que ça doit arriver sur les mini-jeux. Je sais pas du tout s'ils sont putain, ça sert à rien que tu sautes. Je sais pas du tout si ça servira à quelque chose. Bon, je crois que j'ai quitté. Ça m'a, vous savez quoi, ça m'a déjà saoulé. Je gagne tout ça, mais je trouve il y a pas d'intérêt là. Et peut-être qu'on peut jouer aussi la nuit. Ça peut être drôle la nuit, de jouer la nuit. Oh, c'est quoi ça? Ah, parce que je peux viser aussi. Ah non, parce que bah oui, j'ai fait une faute. Espèce d'abruti là. Pourquoi? On peut. D'accord, on peut le mettre un peu. Hop! C'est ennuyant là. C'est ennuyant! Ah, voilà, balle de jeu. Bah c'est bon. Après j'ai gagné. Après j'ai tué. C'est quoi, j'ai tué? Oh, boulet de canon, bébé. Come on. Il y aura aussi, bah, comme des gens m'ont dit, inviter des potes chez moi et puis après faire des vidéos ou avec des abonnés. Oh l'enculé! Putain, elle m'en a mis une quand même, hein. Elle m'a fait tourner là. Donc il y aura pas mal de choses qui vont arriver sur ma chaîne. C'est vrai, c'est juste que c'est un peu difficile déjà avec les cours là, vu que je connais pas du tout cette série, bah, elle a fallu que je me mette dans le bon rythme. Et puis là, en plus de ça, faut que je recherche un stage, donc c'est un peu la galère. C'est-à-dire rechercher un stage. Normalement, j'ai gagné là, non? Je vais te tuer, tu vas voir, tu vas rien comprendre. Changement de côté, ah non, on change de côté, d'accord. Ok. Ok. Oh yeah, baby. Come on. Faut que je recherche des stages, donc en gros, faut que j'aille dans les magasins et puis je dise, salut, je recherche un stage. Tu veux m'accepter ou pas? Sachant que la plupart des personnes vont dire, non, non, on ne te veut pas, on ne te veut pas. Peut-être tu vas te ramener avec ta feuille comme ça, comme un gros con. Et puis tu vas essayer de trouver un stage, mais tu n'arriveras jamais à trouver un stage. Enfin, non, faut pas être négatif comme ça, je sais, je sais, je sais. Mais c'est juste, bon, voilà, c'est juste, tu y vas, tu as plus de chances de te faire refouler qu'autre. Mais bon, voilà, c'est le risque, hein, le risque de faire des stages. En plus, j'ai 3 semaines de stage, vous imaginez un peu la galère quand même. Bon, c'est bien à la fois, mais oh, cet écran qui clignote, je vous jure, il y a un problème. Pourquoi tu clignotes? Oh, au fait, les gens, oh, il m'arrive un truc aujourd'hui, un truc de fou. Faut que je vous dise, parce que bon, là, on s'ennuie complètement sur le tennis, mais il y a un truc, faut que je vous dise. C'est, tu vois, comme ça, on va dire que je suis allé m'acheter donc du chocolat à Monoprix. Bon, il y en a qui vont dire, on s'en fout complètement. Non, mais je vous jure, c'est vrai. Et puis, j'ai regardé dans le KitKat, il y a eu un défaut de fabrication. Au lieu de me mettre 6 paquets de KitKat, ils m'ont mis 5. Les gens. Vous vous rendez compte? Est-ce que je crois qu'en plus on peut aller dans le magasin et leur dire, bah voilà, il y a un défaut de fabrication. De toute façon, ça sentait à la main qu'il en manquait un dans le sachet de KitKat, quoi. Et donc voilà. Bon, je crois que je vais quitter. Ça m'a tellement saoulé. Je vais te tuer. Et je vais te quitter. Espèce de salope. C'est bon là. Oh. Non, quitte. Je vais te tuer, c'est bon. Non, mais c'est bon. Non mais c'est bon. Voilà, c'est une petite vidéo mise à jour. Non mais casse-toi, casse-toi, c'est bon. C'est pas que j'ai perdu, c'est juste que on se fait chier, on se fait chier. On se fait trop chier. Donc ah oui, il y a ma moto en plus. Oh, je vais la tuer la dame. Donc alors, oh putain, comment c'est fait chier en fait au tennis. Enfin, faut le faire avec un pote, sinon c'est pas drôle, je pense. Qu'est-ce que t'as toi, hein? Tu me fais chier. Là, j'adore comment dans GTA, comment ils tombent les gens, tu vois, ils se ramassent. C'est un truc de fou. Donc voilà, c'est une petite vidéo mise à jour. Donc en gros, je suis à votre disposition, je vous écoute. Bon après, faut que ce soit des trucs quand même que j'aime faire. Hein, vous avez pas, enfin, si vous me demandez quelque chose que j'aime pas faire, je vais vous dire, voilà, j'aime pas le faire, donc j'en ferai pas sur ma chaîne. Mais par exemple, il y en a qui m'ont demandé sur Watch Dogs, des trucs comme ça, ou faire des vidéos sur Call of Duty Ghost lorsqu'il sortira, des trucs comme ça. Et ben, ne vous inquiétez pas. Demandez-moi en fait dans la barre des commentaires. C'est vraiment le but de cette vidéo-là, c'est des trucs mis à jour, je pourrais l'appeler comme ça. Donc là, bon, vu que c'est la première semaine des vacances, donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu forcément beaucoup beaucoup de vidéos qui reflètent vraiment ma chaîne, c'est-à-dire à propos de faire pas mal de choses assez vastes, c'est-à-dire par exemple faire des breaking news sur des trucs, par exemple comme le sac, là, vous avez assez aimé, ou des trucs par exemple sur GTA. Après, il y en a plein qui me suivent pour différents trucs, donc faut que j'arrive à maintenir un peu, on va dire, une petite proportionnalité, enfin, arrive à maintenir au moins une petite. Un petit rythme, un bon petit rythme, comme ça, si une personne me suit pour GTA 5, bah, il retrouve tous les 3-4 jours une vidéo GTA 5, pareil pour les breaking news. Donc voilà, donc c'est à peu près tout en fait sur cette vidéo-là. C'est une petite vidéo, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est juste mise à jour. J'aimerais bien savoir ce que vous aimeriez bien voir au niveau de ma chaîne. Oh putain, comment je suis passé, connard! Voilà, donc je voulais aussi vous montrer un peu le tennis, mais bon, c'est pas top top.
Un matin, comme ça, je me suis levé, je me suis dit, je sais pas quoi faire, j'ai allumé ma console, puis j'ai dit, allez, on va mettre GTA 5, hein, normal. Et je me suis dit, tiens, je vais tester un peu le tennis, et puis j'ai vraiment kiffé. Mais sauf que je suis allé en 5, là, je suis allé en 2. Oh putain, je me suis pris le truc et je suis tombé. Ok, d'accord. Et regardez combien j'ai d'argent aussi, je suis quand même assez riche. J'ai 825 millions. Et ouais, les gens, hein, donc ça, c'est tout simplement, j'ai recommencé le jeu. Je ferai aussi, peut-être certainement aussi des missions, tout ça, dans GTA V, en commentant un peu en mode foufou. Donc c'est, j'aime bien aussi faire ce genre de choses. Putain, il n'y aura jamais la police, en fait. Ouais, ils vont me sécher, là. Donc voilà, donc c'est à peu près tout. Dites-moi vraiment, 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 vraiment ce que vous voulez que je fasse. Ouais, c'est à peu près tout, c'est comme ça. Et puis aussi, ah oui, des vidéos avec des abonnés sur mon t-shirt. J'ai pas eu le temps encore de trop tester mon t-shirt. Je dois être niveau 15-20, je crois même pas plus. Je crois, ouais. Non, on peut pas voir là comme ça. Ouais, bon, bref, je suis pas niveau top. Et ouais, pourquoi pas faire des trucs dans ce genre là. Donc, franchement, n'hésitez pas. C'est vraiment la vidéo pour vous là. C'est dans le sens où, si vous voulez vraiment du changement au niveau de ma chaîne, et bien c'est dans la barre des commentaires. Voilà, merci encore à tous les gens. Vous pouvez mettre un petit j'aime à la vidéo, faites comme vous voulez. Et surtout, la chose la plus importante, et bien c'est de mettre ce fameux commentaire en disant, bah voilà, qu'est-ce que vous voulez, tout ça. Je suis une chaîne secondaire. Donc, si vous voulez que je fasse du show. Michael, tu es sûr de toi? Tu es vraiment mort. D'accord. Voilà, s'il y a vraiment du changement aussi au niveau de ma chaîne secondaire, dites-le moi. Je pense que j'ai sorti une vidéo mise à jour aussi sur ma chaîne secondaire. Au passage, il y a un truc aussi que vous n'êtes pas forcément rendu compte dans GTA 5 que dans GTA 4. Dans GTA 5, lorsque vous faites des accidents, par exemple avec un véhicule, vous foncez dans un mur, dans GTA 4, eh bien, vous traversez bien le pare-brise. Hein, vous traversez le pare-brise. Alors que dans GTA 5, on trace plus le pare-brise, c'est-à-dire que, à part si vous êtes en moto, enfin, vous volez, mais si vous êtes en voiture, eh bien, si vous testez, eh bien, vous volez plus, hein, comme avant. Donc, je vais vous le montrer ça vite fait. De toute façon, ça c'est logique. Vous avez dû vous en rendre compte, je pense, quand même. C'est quelque chose à laquelle on peut se rendre compte facilement. Il y aura aussi une vidéo à propos. Elle arrivera demain sur GTA 5. À propos des petites choses qui ont été faites sur GTA 5, comme quoi, pour vous prouver qu'il a vraiment été travaillé le jeu. Il y a pas mal de choses qui m'ont arrivé au niveau de ma chaîne, aussi sur le nouveau Call of Duty, ça peut être intéressant pour voir à peu près où ils en sont. Moi, ça fait Black Ops 2, j'ai quasiment même pas joué. J'ai même pas, s'il y a eu des efforts, mais en Black Ghost plutôt, s'il y a eu beaucoup de choses, ça reste un peu Call of Duty, quoi, le Call of Duty qu'on a tous connu. Donc voilà, regardez, par exemple, là, je vais aller assez vite, puis après, on va voir. Et vous allez voir que ça fait absolument rien. Donc voilà, donc merci à tous les gens. Je vais vous laisser. Juste avant, je fais ce petit truc de caca. Vous allez voir que ça va absolument rien faire. Ça va me saouler, je crois que je vais rien faire. Attention, j'ai pas de... Regardez, par exemple, là, normalement, dans GTA 4, eh bien, tu traverses ton petit pare-brise. Et bien là, normalement, ça, il fait plus rien dans GTA 5. Merci à tous, je vous laisse. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Peace out. À demain même. Ouais, certainement même. Obligatoirement, à demain pour une breaking news, normalement, et une vidéo... comme je l'ai dit sur GTA 5, moi je suis fatigué, je vais dormir. J'ai fait ma petite annonce là. J'ai dormi, en plus mon lit est juste là. J'ai groupillé un peu. Qu'est-ce que tu veux toi, mes connards là? Qu'est-ce que t'as un problème? Oh, tu. Enculé là, tu veux le Tizer? Non, c'est pas ça le Tizer. C'est pas ça le Tizer. Tizer! Oh, oh mon gars! Tu niques le sol! C'est bon. T'es mort. En flash cop. Ok. Oh non, plus j'étais dessus. Oh, je suis vraiment nul. Flash cop. Oh, trop loin. Trop loin. J'aime pas les pompiers. T'aimes les pompiers? Parce que moi j'aime pas les pompiers. Fils de pute! Non, je rigole, c'est pas bien, c'est pas beau, de dire ça. Oh, Christo, respect au moins. Respect the fireman, en anglais.